Bonjour, ban internaute, et aussi bonjour, ban camarades de la diaspora qui nous connaissent toujours bien suivis. Aujourd'hui, pour une conférence de presse, nous prenons trois camarades et moi-même qui pour prendre différents sujets de l'actualité et ce qui préoccupe aussi les Mauriciens. Parce qu'il n'y a pas un secret pour dire qu'il Les peuples ont souffert. Les peuples ont souffert dans divers secteurs et la vie, nous avons senti que la vie, le bonheur n'est plus existé, souvent n'est plus existé au Mauricien. Qu'il y a le supermarché, qu'il y a la pharmacie, qu'il y a la politique encore plus malin. Et donc, nous invitons à une réflexion. Parce qu'une conférence de presse, c'est pas l'asis pour venir dire ce qu'ils connaissent déjà. Mais pour apporter aussi un supplément d'informations pour qu'ils aient réflexion et de dire qu'il est plus qu'il temps qu'ils s'abandonnent là. Allez. Et sans plus tarder, je vous passe la parole à Habib Saïd Hossein, qui pour prendre le volet, le cours de la vie et aussi pour démontrer-nous comment ce gouvernement-là, c'est un gouvernement à scandale. Merci Daniel. Mauricien, Mauricien, bon camarade de Banzil, camarade du diaspora, bon internaute, camarade journaliste, bon après-midi. Avant qu'il nous parle plus vivant, nous vous demandons de suivre nous dans nos bons points de presse, qui nous vous faire ça d'une façon régulière, parce qu'à cause Covid, restrictions qu'il nous a pendant restrictions sanitaires à cause Covid, nous pas pouvons faire autrement. Nous pouvons avec les autres pour garder ça la flamme de non-soumission, de résistance à l'injustice, à dominaire, à corruption, à favoritisme, à népotisme et à viol de la démocratie. Comme un camarade Rama, il nous a dit le 29 août 2020, nos camarades Bruno, ici présents parmi nous, Il casse sommet les peuples de Maurice. Il fait les peuples de Maurice prendre compte qui peut arriver lui, quelle situation il peut vivre, qui il peut traverser. Et nous, qui nous peut dire, nous dire, je reste avec nous, je suis nous, il ne faut pas retomber dans le sommeil, malgré qui Banna Perrot mette une anesthésie avec nous. Il ne faut pas nous retomber dans le sommeil, il faut nous rester vigilants. Il faut nous suivre tout le monde qui peut dérouler. Ensemble avec LPM, ensemble avec l'Union Peuple Mauricien, à nous reprendre nos pays en main et nous redonner nous-mêmes plaisir pour vivre dans ce joli pays-là avec dignité et honneur. Bonne camarade, combien de temps ça peut continuer? Scandale, malpropreté, immoralité, vol d'argent public, dilapidation, Madja Karou, compte est fini, scandale resté, bon camarade. Nous nommons quelques-uns de bon scandale. Amsterdam Boys, Turbine à gaz, Medpoint, Tractopel, Saint-Louis Gate, CWA, Quincaillerie, Bijoutier, Copine d'enfance, l'appareil respiratoire qui pas marché, etc., etc. Je te dis, nous, moralité n'a pas rempli vente, mais Allah l'a bon camarade. Je te dis, nous, pour faire un miracle économique, quel miracle là, nous finissons trouver spéculateurs marchant lourd. Quand ça bonne l'enquête qui est ouverte là, nous demandons bonne responsable l'enquête faire honneur à eux-mêmes, faire honneur au pays, à ce cadre en bout et condamne bonne coupable. Quand tic de leçon indien, pas qu'on ce fatigue-là, un tigre peinant les dents, peinant griffes, mais qu'autre tigre-là était. Je disais, nous, Singapour, de leçons indiens. Qui nous entendait avec j'autres? Causer beaucoup, peinant sincérité, peinant patriotisme. Programme, c'est j'autres propres intérêts. Bonne camarade, j'autres préfèrent nous jolis pays, vin le mendiant de l'océan Indien. Qu'autre bonne mesure pour sécurité alimentaire, bonne camarade?
Comme papa, comme maman, et mange à moitié ventre pour sacrifier aux autres enfants. Mes camarades, à nous faire des efforts. Nous faisons les tours dans le supermarché. Nous avons dit combien de fois les gens mettent la caisse. Et arrive de la caisse, ils ont besoin de retourner les produits de base parce qu'ils paient assez de cash pour payer. Est-ce qu'ils ne sont pas restés insensibles à sa situation, mes camarades? La guerre, la Russie, ils craignent déclarer. Je finis de dire où. Et la guerre pour compliquer la situation. Avant ça, c'était COVID. Tout ça fait COVID, depuis plus qu'il était banani. Comment la guerre, la Russie, craint déclarer, je dis où la guerre pour compliquer la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment je crée, qui fait je crée une situation de panique par rapport à de l'huile? Est-ce que c'est dans la quincaillerie? Est-ce que c'est dans la bijoutier, tu peux préparer par un stock de l'huile pour faire ma jacaro, pour taper jackpot, l'oledo, les pepes avec de l'huile? Mes camarades, c'est une question, nous devons réfléchir, nous devons poser la question. Comme Daniel India, nous avons un point de presse, ce n'est pas comme dire pour venir remplir avec nous, avec nous, non. Nous devons donner un élément, nous devons réfléchir, nous devons prendre compte. Parce que les peuples de Maurice, ce n'est pas les peuples idiots, c'est les peuples éclairés, c'est les peuples générés, c'est les peuples admirables, pour nous entendre beaucoup fort. Heureusement pour de l'huile, qui nous avons fabriquant local, ils nous jouent le jeu, je prends une position honnête et responsable par rapport à sa situation-là. Le coup de la vie, mon camarade, Maurice peut venir de l'enfer. Faites et faux. Allez un petit peu les choses qui m'ont déroulé en déo, dans le supermarché, dans la boutique. Je ne dis pas le trottoir. Pas les journalistes qui n'ont pas fait le micro-trottoir. Nous, public, nous ne pouvons pas dire que le chemin, dire que nous position. Mais nous pouvons un choc. Nous pouvons un choc parce que grand matin, nous ne mangeons pas pain. Nous nous jetons la masse dans la poubelle. Et ça n'a pas dit que la masse la poubelle là aussi, il n'y a pas gagné. Il y a un petit coup de combien de gens peuvent manger et vide poubelle le soir. Puis attendre le trafic diminuer, je vide poubelle, je vais qui est capable de manger. Alors, ce qui peut arriver, nous peut trouver, nous peut tomber dans le gaspillage inutile de nos produits alimentaires. Pendant le premier confinement, un corbeille alimentaire coûte à peu près 1500 roupies. À jour 10 jours, même Kobe, avec même type de produit, il y a à peu près 3000 roupies. Dieu merci, mon camarade. Dieu merci, ce qu'à jour 10, nous ne pouvons pas retrouver violence, vol, suicide, la cause, la misère. Et nous disons, bon Dieu, qui protège nous contre ce fléau-là, contre ce problème-là. Le ministre des Finances, il prend beaucoup de bonnes décisions depuis le premier confinement. Il y a beaucoup de salariés, il y a un support. Il n'y a aucun doute là. Quand il y a un crédit pour donner, nous avons besoin d'un crédit. Mais là, la situation est empirée. La situation est plus que catastrophique. Alors, il y a besoin de considérer heureux, il y a des confrères, signaux et bien expérimentés qui nous donnent un conseil comment pour redresser la situation, ne serait-ce que temporairement. Alors, nous dire, le ministre des Finances, à nous mettre nos égaux de côté, à nous. Prends cette prescription en considération, à nous passer à l'action. Pas payer le temps, faire la table ronde, la table ovale, la table carrée, pour venir avec une proposition. Dix monde dans la misère noire, dix monde peut souffrir, dix monde peut mauvais malade. Et dans les affaires qui ne peuvent pas retourner, si dix monde commence à venir dépressif la cause de la misère, ben là, un autre caverne à l'Alibaba n'est pas ouvert, à travers les médicaments, etc., etc. Il est important, quand vous donnez un voucher, mon camarade, nous gardons les affaires en tête. Pour dire que ce bon voucher là ouvert, il n'est pas bloqué. Le nom, ban chamcha, ban parasite du gouvernement. Il est important que ce bon voucher là ouvert, ou ban dimoun qui a lâché cette commission, que d'autres ont envie. Et non pas que la cousine a envie que d'autres aller. Ban camarade, il est important nous faire un petit message spécial pour ban officier du ministère de la Sécurité sociale, qui éventuellement pour responsable pour sa distribution bon voucher là. Nous connaissons un travail additionnel aux autres, mais c'est moi nous dire aux autres, bon courage et merci d'avance parce qu'ils ont soulagé beaucoup, beaucoup de monde. Au nom de mon fonds public, nous disons au gouvernement, stop infrastructure, stop construction de la route, stop ban construction inutile qui n'est pas prioritaire pour le moment. Contrôle gaspillage, bloque gaspillage fonds publics.
Nous disons, bonnes camarades, nous espérons nous retrouver bientôt dans nos prochains points de presse. Merci à vous tous. Bon Dieu protège nous tous. Encore une fois, merci. Merci, Habib. Et je crois que vous remarquer depuis lancement de nous partis, nous avons de la bougie qui reste animée, pardon, qui nous bégouzie. Et pour ainsi, jusqu'à qui ça le monde là, gagne la paix. Parce que ça, la lumière là, il symbolise ce qui nous croit dans la paix pour que tout le monde soit capable de bénéficier, tout le monde soit capable de gagner une possibilité de vivre en paix, en harmonie. Et en parlant de vivre en paix et en harmonie, moi, je prends le volet de finena le rapport de l'audit qui finira public. Le rapport de l'audit n'est pas tellement différent de l'année précédente parce qu'il est toujours et encore, mais montrez-nous qu'au niveau de l'implémentation, et dans le faire, il y a gaspillage. Moi, pour survoler ça, pour dire, par exemple, ne serait-ce que si moi j'étais au niveau ban terrain, moi trouvais le dit, combien terrain de l'État est supposé donner pour construire ban la case, pour ban maléré, pas fin faire, combien l'argent est voté pour construire la case, pour maléré, pas fin faire, l'argent là, mais action pas fin suivre, veut dire l'argent pourrait rerendre l'autre réseau, pas pour ne faire non rien. Me trouve l'autre côté et pour food security. Nous, dans le monde, quand il est clair et net, qui mangeait pour vivre un sujet de guerre. Je ose espérer que nous pourrions ici endiguer ce danger-là. Mais nous, ici, nous connaissons aussi que là, si on va faire les tours, après mauvais temps, c'est vrai, nous avons des difficultés pour manger les légumes et la cherté de la vie. Oh, il y a combien de terrain qui s'est supposé capable de distribuer pour planter, simplement. Il y a 10 personnes qui sont prêts pour planter, mais pas fin de donner. Qui fait pas fin de donner 10 personnes, ça va intérêt là, parce que la demande est là. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent demander, pourquoi ne serait-ce qu'à Ramadev, qu'à Avdiazot, au niveau du parti, qui combien, Matista Foutorena, ben les peuvent planter. Mais tout ça là, pas fin de donner, pas fin de distribuer. Ça veut dire que tout reste en place. Et ça, il n'est pas nouveau, mais dit, il y a encore plus inquiétant. Mais moi, je prends particulièrement un point qui fait ou trembler. Parce qu'il peut affecter directement la vie de la vie, ses pensions. Nous trouvons sa gap, sa béante, l'argent qui manquait, qui n'a pas fini verser pour nous pensions. Qui fait, et là, moi, prendre, qui, la majorité des para-étatiques, pas fin verse l'argent qui supposait verser, qu'ils ont une pro, qu'ils ont une prélevée, dans beaucoup, pour donner pour nous pensions. Qui fait, est-ce que ça voudrait dire, qu'il ban fonctionnaire, babé comprend, avec le nouveau système, CSG, je ne sais pas comment pour faire sa transition, parce qu'il est consigne du ministre venant du ministère des Finances et du ministre, pas fin clair, comment pour faire transition entre un système qui, de pension qui nous tient là, NPF, qui est une pension individuelle, comment pour transiter ça d'une pension individuelle pour faire les rentrer dans CSG qui n'est pas un fonds de pension, il y a une taxe. Donc, pension, qui est un droit constitutionnel, il trouve dans nos constitutions, il n'est plus et là, il pourra rentrer dans CSG. Ça floue là, il fait qui, moi, j'ose espérer qu'il en a là, il est là. Mais la question est, qui fait ben là, pas fin qu'à faire sa transfert? La question peut être posée au ministère. Mais nous glanons nos bonnes informations, nous comprenons que les fonctionnaires même sont perdus. Et plus comique, paraît-il, le ministère est plus perdu qu'il perdit. Parce qu'il va bien réussir à donner une réponse
comment pour faire ça. Donc, nous retrouvons-nous avec une incompétence qui fait que nous avons un trou béant. Maintenant, qui fait sa réponse, qui fait sa incompétence là, qui fait nous trouver résultat sa incompétence là? C'est parce qu'un jour, un grand matin, me pensait, le ministre des Finances, il ne veut pas dire, moi, je vis en France, je étudie en France, moi, pour faire un système français, contribution sociale généralisée, CSG, et me pour mettre dehors NPF. Et l'État lui fait ça, CSG en lui-même n'y pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'il nous tient déjà un système avec une structure qui t'y entoure, ce système-là. Et c'est là qu'on lui vient mettre une autre donnée, il pas implique qu'il te disait reggae ban structure. Et là, il y a là, il fait collision. Mais, plus grave, c'est qu'il fin révoque, me dis bien, révoque NPF. Parce que quand il fait une regulation pour dire qui dit faire un amendement la loi pension. Il vient, il fait nous croire que c'est un amendement, après il est là, il passe un autre acte. Mais quand, et d'ailleurs, tout le monde peut croire ça la loi là, c'était contribution sociale généralisée, mais non la loi là, c'est the Social Contribution and Social Benefits Act 2021. Qui arrivait avec ça quand il fait lui? C'est-à-dire qui lit l'exécutif, le gouvernement, si c'est vrai qu'il y a des droits pass ban regulations, à aucun moment, il n'y a pas de droit révoque la loi. Il n'y a pas de droit comme ça, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de maquiller ce crime-là, un crime constitutionnel, mais aujourd'hui, nous payons les frais de ce crime-là. Et c'est là, quand il fait ça, il vient, il sens avec cela, il fait ben, les autres amendements aux lois du travail et tout. En même temps qu'il peut faire, il peut sens conditions de ben, travailler dans le pays-là. Et nous retrouvons-nous, par exemple, à nous prendre au niveau ben, secteur éducation privée, par exemple. Si comme, les faire pension qui est un contrat qui ne finit signé, qui va travailler au courant, je contribuer pour si comme 6% pension qui je supposé gagner quand je prends de retirement, pas de pension, je retire du service. Les faire ça 6% là, si comme, vin 3%. Veut dire, 10 personnes peuvent contribuer au lieu 6% pour ce pension, ils peuvent contribuer 3%. Nous allons dire, ouais, c'est aillé, contentez-nous bien, mais non. Ils peuvent prendre le 3%, ils peuvent mettre dans CSG. Et ça, ils peuvent faire un autre gros scandale. Et là, nous, de tout cas, avec mes camarades syndicalistes qui veulent fight pour ça, et d'ailleurs, nous avons une plateforme avec mes syndicalistes pour lutter contre ça, c'est qui? C'est un certain groupe seulement. C'est un professeur qui est aligné avec PSEA. Qui veut dire, cette pension, mais tirer le 3%. Question. Mais comment ben actuaire si comme pour calculer quantum qu'ils ont supposé gagner après à la retraite? Est-ce qu'il est illégal? Un contrat, c'est un dimoula avec celui avec qui il peut prendre sa l'assurance. Là. Contrat là, il est 6%. Ou tu as lu sans même averti Dimoun là. Ou lui, il est 3%. Et c'est là où faire sa même groupe, c'est qui bizarre qu'on est un fonctionnaire, heureusement pour autres, je ne peux pas payer CSG. C'est contribution gouvernement, l'on s'attaque ça pour autres. Par contre, ben professeur, ben staff, non teaching aussi qui dans secteur éducation privée,
ZBP, PHAB, DESA, TIE-CSG. Là, vous êtes la PVD, vous avez contribué à CSG. Et CSG, il y a une taxe. Vous dire que vous avez contribué pour payer pour les autres 10 moun, et qui? Mieux. CSG qui était, combien vous pour gagner? Est-ce qu'il y a une certaine accountability? Est-ce qu'ils ont pour trouver combien vous gagner? Personne ne connaît qui s'en a pour gagner, combien pour gagner. Et c'est là qu'on NPF une bascule là pour CSG. Quand ça l'argent là, les contributions qui généralement diminuent faire dans mon risque, comment les faire, quand ils pour gagner, est-ce qu'il, parce qu'ils comptent là, ils prennent un fait, ils pour saturer, ils pour finir un certain moment. Qui peut arriver? Ben les autres qui ont contribué, quand NPF finit, comment ben diminuent là, je pour rentrer dans cette loge? Est-ce qu'ils nous trouvent nous? Question. Est-ce qu'ils nous trouvent nous avec un Ponzi? Et moi, quoi, cette question-là mérite d'être posée. Parce que c'est l'argent contribuable, ça. Il contribue pour ce bien-être quand on n'est pas pour ne plus travailler, quand on est pour dans ce vieillissement. Et l'autre gros souci avec CSG, c'est que CSG n'est pas. D'ailleurs, Business Motion, il met que ça court là. Et ça. CSG n'est pas encore pris par la cour. Il n'y a pas encore un verdict ou un case. Et pourtant, ben là, il finit par déduct. CSG, là, la paye. C'est un groupe travailleur de sa pays-là. Qui peut arriver si la cour trouvait qu'il n'est pas légal? Qui bizarre en casse? Ce n'est pas qui bizarre en casse, mais qui. Pas pour capable, il n'est pas constitutionnel CSG. Qui peut arriver? Comment, dans qui font pour Tiakas pour retourner ça, sa bande moun qui contribue là? Est-ce qu'il est capable de faire li? Par contre, CSG, li vrai, qui li, selon nous, li un acte anticonstitutionnel. Dans le sens qui, il parle, il tire, qui CRG, je te mette lui, éventuellement, je te capable, dans toute la tête malade, je te capable mettre lui. Mais qui outil NPF, ça, il y a un accord anticonstitutionnel. Parce que l'exécutif, il n'y a pas de droit, révoque la loi. Ça, c'est seulement Parlement, d'ailleurs, il y a un. Et la loi, il y a un acte of parliament. Donc, nous bébés dans tout ce type de magouille-là, besoin en leurs ordres, besoin les lits, sans qu'ils travaillent, rentrent dans ce droit. Ben droit travailleur, ben droit citoyen, ce pays-là, des jours en jour, des menacés. Et nous, au niveau de l'Union peuple mauricien, nous dire, ben camarades qui bélitaient, pour rendre dans le droit, pour 90 jours, nous là et nous pour présents avec eux pour combattre cela. Et ça veut dire, ce que ça veut dire, quand nous trouvons qui peut faire un census, mais census là reste pareil. Oh, il y a dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de considérations, beaucoup d'affaires qui bizarre prend en considération. Et nous avons demandé qu'il y ait un désagrégateur de data, c'est-à-dire qu'il nous capable de faire des informations pour capable justement faire un plan et une vision, par exemple, démographiquement parlant, qui va arriver pour capable une vision des choses. Ou bien que les chiffres, les données, sont clairs. Or, malheureusement, mais de toute façon, nous pourrons venir Lola dans une prochaine conférence. Donc, il n'est pas clair. Et puis, l'autre souci qui nous est avec le census, il y a deux types de census qui a à faire. De juré ou de facto. De facto veut dire que tout, il trouve une famille, il y a 10, mais il trouve 5 personnes là, mais 15 personnes là. Oh, il n'est pas la réalité. Donc, c'est une façon aussi déguisée
ou faire chiffre cause menti. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y en a beaucoup de jeunes bébés à l'heure de la vie, ne serait-ce que sur des croisières. Et il y en a beaucoup, nous trouvons ça avec COVID, comme les bébés, par milliers de bébés retournés dans Maurice. Qui arrive, ou pas, mais prendre sa bande de monde là en considération leur population, ou bien dire qu'ils n'ont pas existé, ils posent problème. Il pose problème. C'est pour ça que je dis que c'est un manque de vision. Et même un censeur, c'est aider à prévoir. Aider à prévoir un budget, aider à gagner une vision qui l'avenir ou belé pour le pays et comment ou créer ça l'avenir. Là. Et non seulement qui vous contente ou nettoyer du monde avec taxes, n'est pas produire la richesse. Il existe une façon déguisée pour un certain temps ou cassette ou manque de compétences. Or, c'est vers quoi nous devons aller aujourd'hui. Et une des choses qui puis étonne moi, quand nous devons dire taxe, nous devons trouver ça manquement du ministre des Finances lui-même, qui, M. Citanen, par exemple, lui vient dire, il prône pour l'unité nationale, c'est-à-dire garde sa premier ministre actuel là, mette Béranger ministre des Finances, l'autre dans les services financiers, etc. Au fait, qui veut dire? Qui ça signale là? Et me déplore tout à fait cela, et moi pour des man, me trouve beaucoup, ban compatriotes, ban citoyens, ban intellectuels qui trouvent ça éventuellement intéressant. Li pas intéressant du tout. Parce qu'il savait dire qu'il nous pourrait dans l'incompétence et qu'il existe nous pour faire tout le temps, tout le monde qui nous mange, tout le monde qui tue sa peuple, qui asphyxie sa peuple, continuer régner. Et là, c'est un avenir bien noir et je trouve ça bien triste qui ramasse Citanen. Qui est content présente-lui comme l'homme du secteur privé, vrai ou faux. En tout cas, si c'était ça, son proposition au secteur privé, ben, il est bien dangereux. Et nous, bien navrés de voir qu'il nous capable d'arriver à sa qualité basse cela. Et sans plus tarder, je passe la parole à nos camarades Nina, qui dit pour. Cause l'eau, ce qui m'est passé dans Agalega. La vie, nous, nos concitoyens, comment nous devons souffrir l'eau Agalega tous les jours et pas oublier. Agalega, il y a aussi une portée géopolitique. Nous trouvons ce qui est arrivé Ukraine-Russie par rapport au territoire. Nous arrivons qui nous partit pour souhaiter qui nous arrive dans le même cas de figure. Mais Nina, pour aujourd'hui, il n'est pas pour concentrer la géopolitique, c'est surtout pour les présents autres, parce que mon camarade là, il vient aujourd'hui, il cause malheureusement, transpose, il a fini bizarre, aller bizarre rentre dans le travail. Il est pour un peu porte-parole de sa bande compatriote là aujourd'hui. Nina. Merci Daniel. Bienvenue aux journalistes et man internet. Daniel India, effectivement, moi pas pour cause de géopolitique, parce que c'est un problème très délicat et qui demande carrément un programme directement là. Agalega, comme je te connais, ça forme partie de nos républiques de Maurice. Mais seulement, on a l'impression que man agaléen et agaléenne, zot man citoyen de deuxième classe de Maurice. C'est triste à dire, mais c'est l'impression qui nous est non et qui zot est non. Tout à l'heure, tiens un jeune homme qui est là, Kenny, malheureusement, il est mis en travail comme Daniel India zot, mais il raconte moi sur la vie, mais mon cas zot me tient l'âme de Moligier. Parce que c'était vraiment triste quand nous rendons compte. Qui souffrance, ce PNA, qui qualité de la vie dure,
Nous avons 10 ans en bas côté, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à l'air. Mais seulement, je vis difficilement, dans ma difficulté. Nous, au LPM, nous demandons une prise en charge intégrale d'Agalega. Bizet et non, un changement, revoir le rôle de Outer Island Development Corporation. Ça, la loi-là, existait depuis 1982. Et c'est régi par le bureau du Premier ministre. Et non, de temps en temps, man changement, man regulation qu'ils admettaient, mais pas grand-chose. Et là, les difficultés viennent encore plus énormes, plus importantes, parce que la population non seulement est doublée, triplée, avec man travailleurs étrangers qui là-bas. Ils vivent en parfaite harmonie, d'après ce que M. Lang dit à moi. Mais énorme un souci parce que OIDC, il prévoit pour 300-400 habitants, pas pour tout ça d'Imounla. Vous pouvez expliquer moi. Énorme beaucoup de préjudices qui s'amènent habitants là gagnés. Premièrement, pénant système judiciaire. Capable organise-les. Nous avons une facilité Internet maintenant. Énorme problème avec AFCON. Nous t'entendons dire qu'il se demande OIDC qui peut employer man agaléen. Mais là, AFCON peut employer. Donc tout ça, c'est par rapport à man développement qui vient dans Agaléga. Man citoyen Agaléga, nous man frères et sœurs là-bas, je n'ai pas gain droit propriétaire de terrain. Donc je t'en tire la case, mais si je t'ai envie d'améliorer ce habitat, je n'ai pas gagné droit à importe mon matériau de construction. Ça, si jeune homme-là, dis-moi, moi, ma famille, j'ai grandi, d'ailleurs, moi, pour expliquer cette situation, mais moi, je suis content de gagner l'ensemble en plus, parce que moi, j'ai des enfants, moi, je vis avec mes beaux-parents en ce moment, moi, pas capable de faire autrement, moi, pas capable d'améliorer mon habitat. Donc, bizarre, comme m'a dit dans la boîte sardine. Moi, pensez que ça, nous capable de changer éventuellement. Est-ce qu'il y a un plan pour protéger nos cocos roses, qui est un coco endémique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existait seulement dans Agalega. Je bien connais qu'il y a une cocoterie, et non, man la fabrique de l'huile qu'ils ont vendue en Afrique du Sud, mais sa coco-là, il est vraiment spécial. Donc, vous devez faire attention, pas détruire l'huile, nous devons protéger l'huile. Je pose la question au Premier ministre, au ministre de l'Environnement, est-ce qu'il y a un plan de protection de sa coco rose-là? Mais c'est moi pour révéler un problème, mais capital, c'est la santé. La santé là-bas, mais mon cas, il y a presque zéro. Il y a des petits hôpitaux au nord, dans l'île du Nord et l'île du Sud. Là, c'est un témoignage d'un médecin qui me fait plusieurs fois mon voyage là-bas, qui me reste 6 mois, 8 mois, qui connaît bien le système qui prévale là-bas. L'hôpital du Nord est non et cardiac monitoring. L'hôpital du Sud est non. Donc, si vous vivez dans le Sud et qu'il y a un mauvais temps, pas capable de traverser sa petit passage de 1,5 km, il est capable de paraître petit, mais seulement quand il y a un mauvais temps, pas capable de passer. Est-ce que si un dimoun a une crise cardiaque? Est-ce que s'il a un AVC, il a un stroke? Comment il fait? Sa famille, pas capable d'amener dans l'île du Nord. Donc, il est capable de paralyser, il est capable de mourir. Mais who cares? Peinant X-ray, peinant échographie, peinant un spécialiste qui a visité là-bas. Nous connaissons Rodrigue, et non souvent un spécialiste, que ce soit gynécologue ou autre, je t'ai fait un séjour. Mais dans Agalega, peinant. Et non, un dimoun âgé, comment Maurice, hein? Un Agalien, je fais vieillir.
et en diabète et en tension. Par quoi qu'il en dise ça dans Maurice? Malheureusement, c'est une maladie qui répand partout. Tu peux avoir un petit fille là, qui tu peux venir, qui s'appelle Anne-Sophie, qui a un problème COVID. Malheureusement, il y a un problème de transport, il n'est pas capable de venir. Mais pour nous déjà dit plusieurs fois dans une conférence de presse sur un problème. Mais le problème là reste entier. Sa fille là, il est malade, il vient ici, il est dans l'hôpital. Mais pour dire en résumé, il est dans l'hôpital, il a un COVID. Il a envoyé dans un centre d'isolement. Dans Kepip. Zuntieli là, Zuntieli, il besoin paye, je crois, 16 000 roupies. Je ne sais pas si c'est un chiffre, mais je crois, 16 000 roupies. Il paye en casse. Mais qui fait qu'il besoin payer? Il n'est pas mauricien, lui? Il n'est pas fait partie de nos républiques? Est-ce que nous, quand nous sortons dans un centre d'isolation, quand nous payons un COVID, nous payons? Non. Mais pour demander le general manager de OIDC, M. Narangi, et M. Chamrou, qui est le health and safety and health officer, qui je peux faire, comment je gère ce problème-là? Bien sans aide, la solution, c'est pas pareil. Ça suffit là, quand il vient, il est réel à l'hôpital flac, il est toujours malade et positif, donner médicaments d'y aller à la case. Mais comment il est pas à la case? Comment il est pas à la case? Il n'y a personne ici, il est tout seul. Alors, il a besoin de dormir dans la rue. C'est inimaginable. Heureusement, NNONG, je ne prends rien en charge. Donc, ça m'a dit Mouna en ce moment. Heureusement, qui Mauricien encore est en grand équerre. Mon pouvine au niveau gynécologique, c'est-à-dire mes enfants qui naissent là-bas. Enfin, qui pas naissent là-bas plutôt. Ça, jeune homme qui est venu, il s'appelle Kenny. Nous faisons un petit enregistrement et nous pouvons faire une émission là. Il explique moi que ce madame, quand il tient 6 mois, il est enceinte, il vient ici en octobre. Donc, il a accouché en décembre. Et depuis décembre, depuis qu'il a accouché, il piatane bateau. Il piatane pour retourner côté. Et il y en a beaucoup de camarades comme ça. Je bisin loué en la somme. Louer en la somme. Je pas de travail. Monsieur Laline quitte ce travail là-bas. L'invine Maurice. L'in trouve un petit place qui peut battre, comment dire. Mais c'est moi, il n'a beaucoup pas gagné de travail. Et l'invine a couché, donc il peut attendre sa bateau là. Il y a encore piatane avec un labouzi rouge. Pas connaît quand il peut aller. Et pas fini. L'invine pour soutenir sa madame. Mais il laisse là-bas un petit enfant de 1 an et demi et 6 ans, côte Souman, beau-père, belle-mère. Ça veut dire qu'il est en séparation. Dans mon moment, moi en tant que femme, je peux dire aux autres qu'ils ne sont pas capables de supporter la séparation avec moi et les autres enfants pour que je vienne accoucher dans Maurice. Peut-être que je finis mettre dans ce mindset, je n'ai pas qu'à faire autrement. Mais imagine ce traumatisme-là. Imagine sa séparation-là. Psychologiquement, comment ça m'a dit moun-là peut vivre, ça m'a une femme-là peut vivre sa situation-là. Pas capable de mettre une échographie, pas capable de mettre dans sa petite hôpital-là une petite section pour qui ça m'a une madame-là accoucher. Si elle a une complication, si tu fais une échographie, capable de trouver une complication. Si tu as envoyé un spécialiste plus souvent là-bas, trouver une complication, envoyez-le Maurice, évidemment. Man Rodrigue se fait pareil. Quand il a un problème, je devine Maurice et soignez-le dans man l'hôpital mauricien. D'ailleurs, qui fait un mauvais indien mauricien parce qu'il de toute façon, je suis aussi mauricien. Donc, c'est normal qu'ils se jouent de tout ça, man dit bien là. Donc, ça éloignement-là, mon pensée qu'il est vraiment pas bon du tout. Ne serait-ce pour l'enfant, pour les enfants et les parents. Ça même n'appelle progrès. Que de droits humains là-dedans. Maurice nous faut aussi tout man accord international. Il n'y a aucun droit de l'homme, il n'y a aucun droit humain là-dedans. Il y a une discrimination qui est insupportable. Bien arrêter ça. Nous avons un premier ministre qui dit à nous « I have a caring government ». Ça veut dire quoi, ça?
Is this the way to care for your people? Pourquoi il est bizarre de dire ça? Parce que nous, au LPM, nous là, nous pouvons continuer à causer le problème que ce gouvernement-là peut engendrer. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous causons le coût de la vie, nous causons leur pension et nous pouvons continuer à causer. Sur ce, je remercie les journalistes et je repasse la parole à Daniel. Merci. Merci Nina. Et question, est-ce qui fait à ce babé donne ce qui est bizarre, ne serait-ce que ban basique pour qui ban agalien capable vivre? Qui fait ban abé bizarre vin l'homorisme? Est-ce que c'est pas un ban signe de démantèlement du territoire? Est-ce qu'il pas bé fait à ça exprès? Et pourquoi question là il mérite d'être posée? Et je ne sais pas même qui nous peine sur réponse. Et dans le même foulé, je crois que Bruno, pour cause de la recommandation qui condamne l'incompétence de ce gouvernement-là au niveau du port et aussi sur le sort de pêcheur. Bonjour tout le monde, camarade de la presse. Bonjour, mon internaute. Bonjour tout le monde, camarade mauricien. Pendant la semaine, IMO, International Maritime Organization, il tient un rapport gaming concernant le port, l'infrastructure et la compétence qu'il y a dans le port. Dans ce rapport-là, moi, je peux l'aborder plus parce que je prends le sujet en lui-même plus tard. Il vient dire que nous pas fin prendre les mesures pour mettre 10 personnes qui bien mettre, que bien mettre avec bonne expérience. Quand nous regardons tout ce qui peut passer, et tout ce qui nous finit passer dans nous les pauvres. Quand nous avons un rapport comme ça de IMO, est-ce qui est étonnant quand nous trouvons trois bateaux qui nous serviraient presque au même moment après tout ça? Est-ce qui est étonnant nous t'en dire qu'il y a environ 25 à 30 bateaux qui peinent PMI qui ont nous de l'eau qui sont pour lui? Un bateau, s'il peine PMI, ou bien mettre en dehors ou zone. Parce que nous considérons comme un azote, il n'est pas supposé rentrer. Il n'est pas supposé dans une zone pour tuer. À la fin de l'étour, trouve en pharaon. Il vient, comment dire, un dépotoir bateau. Comme on dit, ou dépotoir bateau, on va là, je connais les rapides gros qui m'ont bouche ça donc. Et ben bateau là, je presque en a un point de l'eau. Si vous n'avez pas malheur, un ça va, comment nous dire, un bébé là, mot zone. Et n'a bel problème là-dedans. Et n'a un aspect sanitaire qui nous parle à nous compte. Parce que ça va un bateau là, et n'a l'humidité. Ça va un bateau là, il y a un azote, et ça va un bateau là, il y a une source d'explosion. Dépose au contenu, dépose au manzavec qui a dégagé, il est capable de venir un genre de combustible. Est-ce que c'est ça qui nous permet dans nous l'épaule? Nous l'épaule, nous maintenons un bon moment en bilan. Depuis longtemps, il y a environ, après Wakasho, il arrive là pour nous regarder nos dépôts de charbon. Je connais nos dépôts de charbon de terre. Il y a tout près avec JT1 et de l'autre côté, dans MCFI. Où m'a dit nous qui ça fait là? Sécurité de l'épaule côté, c'est zéro. Je dis pour lui, PAC joue une bombe. Rochebois, PAC joue une bombe. Plainville, PAC joue une bombe. La bite passe sur une bombe, sable noir passe sur une bombe. Qui fait? Parce qu'il ne peut pas faire soit qui besoin faire, quand il besoin faire lui. Qui nous peut attendre pour nous prendre une décision qui besoin prend? Est-ce qu'il nous peut attendre un amour d'homme? Est-ce qu'il nous peut attendre une bonne situation comme on a dit causé tout dernièrement au niveau fertilisant qui s'est échappé, qui s'est nativé après qui peut faire un gaz toxique qui nous trouve coulé à zone partout dans pour lui donne passer. Peut-être dans 5 à 10 ans, mon code de cela, qui nous peut attendre au fait pour nous réagir? Est-ce que tout coup, nous pouvons bien comment dire, après un problème, comment nous dire, après l'amour, la tisane, ou soit une arrive là pour nous venir proactif? Comme on a dit ça, gouvernement là, toutes les semaines, comment dire, je vais être un scandale, pour être un scandale plus gros que son camarade dans les semaines à venir. Est-ce qu'il nous peut faire ça avec la vie du monde?
Nous avons ce Gaëtan. Ce Gaëtan vient une personne qui a décédé là. Il vient un dommage collatéral, il y a un mot d'homme suite au naufrage de Wakasio. Et pas tout le temps, le capitaine n'a pas parce qu'il fait un mot d'homme. Nous comptons, nous pas comptons, il y a un mot d'homme involontaire suite au naufrage de Wakasio. Comment dire, nous venons à la porte, nous donnons un accès, nous disons, allez monsieur, est-ce qu'il pense que nous avons un lobby? Il vient depuis partout. Je dis, chaque situation, chaque décision, chaque gouvernement là peut prendre, c'est nous laisser une situation empirer. Après nous prendre décision. Nous laissons situation là pourrie. Après nous prendre décision qui bizarre prend. Mais quand nous pourrons un gouvernement qui va nous dire qui vient prendre décision avant une situation amplifiée, empirée, éclatée au détriment des peuples mauriciens. Mauriciens, si tu ne comprends pas, tu ne pas pour comprendre jamais. Ce gouvernement là, il peine à l'intérêt ou bien-être. Parce qu'il veut dire ou bien-être. Veut dire ou pour moi je prends ce problème compte. Tant qu'on est occupé avec problème, ou pas gagner le temps pour cette maldonne compte. Ou pas gagner le temps pour cette incompétence compte. Ou pas gagner le temps pour cette magouille compte. Aujourd'hui, nous t'en dire un projet de 10 milliards. Projet routier. Mais penadi moun qui manque manger dans sa Maurice là. Penadi moun qui dans le besoin dans sa Maurice là. En l'état actuel là. Ça commence à améliorer, nous devons investir dans l'infrastructure que nous sommes capables de donner du monde manger. Moi, je fais une proposition simple et nette au ministère du Commerce, au ministère des Finances et au ministère de la Sécurité sociale. STC, c'est un des importateurs de produits de base de gaz. Faire WAP, je ne connais pas le système WAP. Je ne connais pas le système pour accès restaurant. Je ne connais pas le système pour accès gym. Mais pour donner manger, ça peut plaire. Je ne vais pas faire un système pour donner un peuple à manger. Mais prendre dans chaque endroit, faire un dépôt de STC avec un produit de base, avec ce gaz, aller vers un ciblage. Me définir un seuil. 25 000, 30 000. Seuil-là, il décide ensemble avec les citoyens, avec le gouvernement. Nous faisons aller comme à Cuba. Ou prend ou WAP, ou process dans le supermarché, ou une déduction automatique. Pour sa personne qui veut l'érable là. Dis moun qui l'a l'air de sa moyen paye un luxe à c'est le prix qui besoin, il paye ce prix normal. Qui veut dire, nous faire dis moun qui dans le besoin, je profiter et non dis moun qui peut gagner 1 500 000 par mois qui bénéficie lui aussi ça va le subside là. Combien de temps nous pour aller comme ça avec un seul côté ligé? Combien de temps nous pour être dis moun qui est là? Et si pas arrivé dans sa pays là pour être dis moun qui paye là? Sa semaine là, mon gars, l'occasion fait le tour de l'île avec mon camarade LPM pour jouer un PCR. PCR aujourd'hui, c'est un métier qui le gouvernement peut faire pour moi à disparaître volontairement. Un PCR au banc, le socode qui délivré par le ministère de la pêche, il mettait, il faisait des sorties pour un poulico être considéré. Mais quand il y a dans les ports open à bateau, mais quand il peut aller, il n'y a pas de voir pays là, mettre bateau dans sa disposition. Si dans moi, gouvernement, mon Dieu dit mon là, mon impose une condition. Mais si moi, gouvernement, je ne peux pas respecter les conditions là, mais qui m'a bouffé avec ce man peut PCL au bon là. PCL au bon, je ne dis pas qu'on est sur Twitter à la Wens, ou tout ça normal ou. En plus, je n'ai pas accès pour le travail au bateau. Quand je viens au pot, je vais payer la place, il prend 95 malgaches qu'il met l'eau là, mais par contre, mais c'est moi pas oublié qui nous perd la paix dans de l'eau mauricien. Priorité, de l'eau mauricien, la paix dans ce de l'eau. Si vous trouvez, papa est capable de se plaire, donne sa main du monde à bateau, les autres aller, mais qui fait capable de mettre quota pour l'Union européenne, gagne quota de pêche de thon dans l'océan Indien, et nous pêcher à mauricien, nous pas gagner accès, nous pas gagner la paix. Mais il n'est pas normal. Je dis quand nous avons des affaires, le gouvernement, comment on répond, il met des conditions, des sorties en mer. Sa PCA là, nous pas donné facilité, il n'a pas bien accès pour sortir. Mais qui peut faire? Qui peut faire? Quand ça impose, il est clair, il mange macadam, il mange roche. Quand on parle en tant qu'un gouvernement, ou pas capable
subvenir à ce travail ou besoin de cette allocation. Où est le choix? Ça va dire qu'on a envie de respecter ce code qui veut dire un sorti à décompagner pour un. Ou Michel Modou, ou pas capable d'assurer que ça dit qu'on appelle la paix dans cette allocation. Si vous n'avez pas envie de cette allocation, assurez-vous qu'ils ont des sorties pour obtenir la paix pour le travail. Parce que ça va dire qu'on a envie de travailler. Ou qui pas donner une autre location pour le travail. Ou soit une acquis compagnie peut faire lobby pour prendre un travail étranger pour pas prendre Mauritien. Ça a suivi, non? Mon voisin, il a enquête dans flac. Ça va dire qu'il a battu dans flac qui n'est pas un PMI là. Pareil, comme il est ici, tu as copé la peste. Il n'y a pas de PMI et ici, tu n'arrêtes combien de millions la drogue pour être canonnier. Faudrait que tu dis à l'église, si on coupe la paix sur PMI, fini. Là, on demande à MBC pour filmer, je lui tire rentrer dans les pots. Mais où Michel Modou, ou pas qu'on est où? Nous qui besoin de dire où ça? Si nous besoin de dire où ça, quand nous avons un service, démissionner, nous faire travail là gratuitement dans le poste, dans le place, nous pas besoin de casser le peuple là, nous. Parce qu'il vient de l'acquérir au niveau LPM, ça bien être ça, peuple là, nous. Merci beaucoup. Merci Bruno et merci les amis de la presse et comment nous trouver tout ce qui nous causait nous bésis me dire et un message il disait clair les peuples te bé ressenti dit Esther là prend te destin mais n'a pas laissé n'importe qui conduit ta réflexion. Parce que nous, nous sommes dans d'autres bandes d'outils, nous sommes allés, Bruno, Dave, Rama, Nina, nous sommes des salles, nous sommes en temps d'autres. Et c'est là, c'est à d'autres, prends d'autres des stormes. Et mon point vite, question de la part de la presse. Oui, le vrai est un peu challenge. Ça va nous fiching vessel up, vous avez une licence. Je le rends dans le pot. Donc, il y a déjà une première action qui la MPA peut prendre au niveau ban péché. Oui, moi, il faudrait me trouver pour me croire. Je suis arrivé au Saint-Thomas, ce gouvernement-là, avec sa ban dans le pot. Là. Comme moi, depuis Wakasho, je suis tout ce qui est arrivé, non, il n'y a pas changé. Donc, quand lundi, je suis lundi, tantôt, repose-moi la même question, vous répondez aux réponses. Justement, je suis satisfait que l'idée de l'opposition des prix, parce que c'était vraiment une longue année dans notre premier EPQ, je suis content qu'il pense à ce sujet-là. Et la réponse du ministre des Finances Non, quand on regarde des deux côtés, ce qui nous content, c'est que la voix du peuple peut faire l'entendre à travers LPM. C'était le but du LPM et c'est le but du LPM et nous continuons à faire l'y. Qui veut dire, nous travaillons deux conseils toutes les semaines. Avec Sam Mauricien là, lui envoie nous à travers nos emails et nos websites. Bonne question qui bizarre, nous travaillons ensemble, faire bonne proposition, nous préparons l'y. Tous les jours, nous travaillons tous les temps, tous ici, quasiment nous tournons presque 7 ou 7. Ce force majeure, comment nous disons dans les conditions pour. LPM, c'est simple, ça, nous disons ça dans les conditions. Si comment dire, il faudrait être disponible pour ces 7 ou 7 force majeure pour nous capables de travailler ensemble. Donc, nous disons ça, nous disons qu'il est vraiment disponible. Et nous avons une équipe magnifique qui travaille quasiment comme ça. Nous avons n'importe quelle situation, quelle solution, nous essayons de trouver. Qui veut dire sa proximité avec le peuple est important. Parce que nous trouvons que pendant des décennies, le peuple est coupé avec le Parlement. Ça veut dire nous pose des questions qui nous envie, qui bien souvent loin de la réalité, sa citoyen là. Mais avec LPM, nous pouvons poser des questions à travers une question innovante à travers nos EPQ et nous pouvons gagner une réponse qui besoin. Il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une mauvaise réponse, mais nous pouvons gagner une réponse à la fin du jour. Justement, il y a une proposition de Jean-Claude Barbier, si tu viens de taxe sur FOB. Oui. Au lieu de ça, le ministère, nous pouvons faire du India, du coup, concilier, nous pouvons faire un technicien de travail. Vous connaissez? Et dans les affaires, c'est pour ça qu'il nous fait un petit sourire, qui veut dire que l'opposition prend lui. Vous connaissez, nous pas là pour venir dire, hey, nous qui nous faisons ça. Du moment qu'il décision il prend pour le bien-être du peuple, nous comptons. À la fin du jour, c'est ce qu'il nous l'est. Parce qu'au niveau LPM, nous travaillons avec une équipe, qui veut dire, PSU n'est pas pour venir risquer, dire, nous nous faisons ça, PM nous faisons ça. Non. Citoyens, là, mettre pression pour faire ça, parce qu'il fait, nous travaillons de concert avec sa peuple mauricien. Et le résultat, il est là. Qui veut dire, nous pose question qui est bizarre à travers le leader de l'opposition et le ministre vient dire, nous pour consider, qui veut dire que c'est positif. Pour retourner le point, il dit aussi, il est imposé pour faire mal, pour venir pour le personnel, depuis pour comparer, pour le sujet, ça va. Quelle réaction par rapport à ça?
Moi, je dis comment je peux faire un PC ou un après nos causes. Aussi simple que ça. Je ne peux pas pour le municipal. Nous ne pouvons pas, nous déjà prêts pour le municipal. Et tous les jours, nous sommes au terrain et nous préférons aller sans être prétentieux. Nous faisons notre travail tranquille et crois-moi, mais nous pensons être concurrents. Merci beaucoup. Vous avez une question, vous satisfaites le fait que dans le Parlement, le Premier ministre puisse répondre à une seule question alors que c'est une question de. Je vais maintenant nous quand nous avons une réponse ou autre, parce que ce qui est arrivé, nous avons une réponse en fonction du travail qui peut faire aussi par rapport, par exemple, aux autres membres du député. Si les autres membres, du Parlement de l'opposition bousculent un peu plus, peut-être nous sommes capables d'avoir des réponses sans réponse. Mais si nous bien contempler, nous avons une réponse positive, c'est déjà beaucoup. Donc, il veut dire que nous continuons de pression. Au fur et à mesure, nous gagnons 2, 3 et 4, 5 réponses après. Voilà. Et ce n'est pas seulement question de réponse. Nous sommes pas là pour, comme Bruno fait dire, nous là pour faire représenter, nous là pour représenter la voix du peuple. Et comme Bruno fait dire, et ce n'est pas que nous sommes là pour content, pas content, en réponse. Nous visons réponse. Mais au-delà de réponse, nous visons qui. Concrétiser qu'il y a action qui prend. Parce qu'il y a un effet d'annonce, nous connaissons ça bien. Et ce gouvernement-là, il y a une safe là-dedans. Effet d'annonce, pas intéressé, nous dit tout. Nous posons question qui les peuples demandent. Mais c'est là, les peuples, pas les une réponse. Il est une action, il est du concret. Et c'est là que nous attendons. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Et comment on peut dire, hebdomadaire. Et aussi, merci de votre soutien, de votre couverture, mon camarade de la presse. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi, c'est à travers eux aussi qu'ils nous passent nos messages, nos bonnes questions. Si je ne suis pas là, parfois, je n'ai pas la même répercussion. Et c'est pour ça que m'invite tout mon camarade de la presse, de nous chaque coup là, ensemble, nous faire payer la bougie. Merci beaucoup. Avec ça. Avec ça. Merci. Merci.